pensée positive, magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa, Somotro, Consomo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa, Somotro, Consomo. Fidèle ami de la toile, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de partout dans le monde, vous êtes connectés sur www.congo-number-one.com. Bonjour. J'ai un réel plaisir de recevoir pour vous ces jeunes hommes et ces dames que vous voyez à côté de moi. Eh bien, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Ce pays a une superficie de 2 345 000 km², 80 fois la Belgique et 4 fois l'Hexagone, mesdames, messieurs. De quoi il sera question dans cette émission Pensée positive de ce samedi? Peut-on parler d'une République démocratique au Congo-Kinshasa? Un pays dont la production est quasi nulle, peut-on dire aujourd'hui que les choses marchent dans ce pays? Un pays qui est classé à la place des 155e sur 167 pays, économiquement parlant, au monde. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose? Voilà, mesdames, messieurs, avec mes invités, nous allons essayer, nous allons réfléchir là-dessus. Chacun va donner son avis, chacun va dire ce qu'il pense, que les choses marchent dans ce pays. Eh bien, je reçois pour vous, il y a un monsieur qui est de l'autre côté, la caméra, je rappelle, elle est tenue de main de maître par Carlos Calouza, monsieur Daniel Zong. Bonjour Daniel, j'espère que vous avez bien prononcé votre nom. Sons, voilà, monsieur Daniel Sons, excusez-moi. Il y a les combattants Goliath qui est également avec moi ce soir. Et puis, il y a la sœur Mami Missa qui est de l'organisation non gouvernementale Missa. Et elle est là aussi avec moi. Il y a mademoiselle Pella Simba. Merci à vous, mademoiselle. Et puis, il y a l'homme du moment, c'est-à-dire le frère Placide de Jésus, qui est le président du mouvement chrétien pour la paix et la défense des intérêts congolais, également l'initiateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la lingalaphonie. Voilà, bonjour monsieur Placide. Et j'ai également l'incorruptible, le patriote, le jeune patriote congolais, Eric Salongo. Bonjour Eric. Bonjour monsieur Stéphane. J'ai de l'autre côté monsieur Blaise, qui est le membre de RCK, voilà, RCK Hollande. Merci également d'être là parmi nous, Blaise. Et puis, de l'autre côté, les deux Blaise, hein, également, monsieur Blaise, merci à toi également d'être là. Oui. L'émission, elle est bilingue, donc on aura aussi de temps en autre à parler lingala, mesdames, messieurs. Voilà, et puis, j'ouvre les débats avec une question ouverte. Peut-on parler d'une république démocratique au Congo-Kinshasa? Le débat est ouvert. Moutou avant la réponse à Koko Banda, en tout cas débat vraiment ça ouvert. Est-ce que l'élo dans la République démocratique du Congo, est-ce que l'élo Togoro Loba, Togoro Bengambo Kawana, République démocratique? Voilà, c'est à vous de réagir, mes invités. Ouais, Blaise. Merci Stella pour la parole. Je voudrais quand même, avant de commencer, considérer un peu la démocratie dans une petite définition étymologique qui vient de Demos Kratos. C'est un régime politique où le pouvoir appartient au peuple. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de souveraineté. Mais sans qu'il y ait distinction de naissance, de richesse, de compétence. C'est ce qu'on appelle le principe d'égalité. Bon. La démocratie en tant que notion a quand même des principes et des fondements. C'est-à-dire qu'on parle de la démocratie, on voit le multipartisme, c'est-à-dire la pluralité des partis politiques. Mais on voit aussi certaines autres notions comme la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il faut qu'il y ait le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Mais dans ces trois, on considère aussi en grande partie l'indépendance de l'appareil judiciaire. Mais il faut aussi savoir la liberté de l'individu, la règle de la majorité, l'existence d'une constitution et puis d'une juridiction associée.
Donc, maintenant, dans la pratique, il faudrait voir si tout cela est vraiment respecté dans notre pays. Mais s'il faudrait répondre peut-être de manière hâtive, je dirais carrément non. S'il faut parler de la démocratie, il y a beaucoup de choses à faire au Congo. Mais aussi, déjà, la notion même de la République. Vous savez, quand vous dites République démocratique du Congo, de par son étymologie latine, République vient de res publica, c'est-à-dire la chose publique. Donc, dans cette notion de définition, en fait, la République appartient au peuple. Mm-hmm. Mais est-ce que la République du Congo est gérée comme une propriété privée ou vraiment quelque chose qui appartient à tout le monde? Donc, quand vous rassemblez toutes ces notions dans la pratique, c'est ce qu'on appelle le pragmatisme, vous vous rendez compte qu'on est loin de parler de la démocratie. Je crois qu'il y a aussi d'autres considérations à faire, mais qui viendront après, dans le contexte politique de notre pays, s'il faudrait vraiment parler de la démocratie. Voilà. Bon, merci beaucoup pour votre intervention. Je ne sais pas si M. Pavan a Salomo, Eric Salomo. En tout cas, sur ce que mon frère Blaise Ndongan vient de dire, est-ce qu'on peut-on parler de la démocratie dans un pays où il n'y a pas la liberté d'expression? Est-ce que peut-on parler de la démocratie dans un pays où on invente des femmes enceintes et on sort des bébés, où on coupe de tête des gens, plus de 10 millions de morts, dans un pays où les génocides du Congo, je ne sais pas, donc ici en Europe, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'il y a eu un pays qui a perdu plus de 10 millions d'habitants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on ne peut pas parler de la démocratie dans un pays où les pouvoirs en place mettent des chars de combat dans tous les coins de rue pour tirer sur le peuple. Et on ne peut pas parler de la démocratie dans un pays occupé. Voilà, merci beaucoup, voilà. Eric Salomo. Démocratie na mboka na biso Congo ezalite pona nini pambate na yebi ke démocratie nde ba bezali mokonzi bezali ya peuple pouvoir ya peuple et ce qui peuple azali ko tambola na bokonzi ta sape na bokonzi na ete to pouvoir ezali ezate de démocratie mais peuple de koloba ezali peuple o to ben ba imoka c'est-à-dire bana ya mboka na nana ba mina na Lingala parce que naza kama tina mo banisi ya Lingala foni na tumo la lokota na ya Lingala donc bana mboka wana na pesi ndakisa to bina Congo soki ba mboka ba congolais baza na pouvoir nde ba ndeko to bawa ya kotambola ya ko bimisa makanisi na ye ata na maponami ya kotosa posa na ye na njela maponami soki nyoso wana ba tosi yango te tuko ba demokrasie yango baka boye na mboka Congo, les assassins c'est moment démocratie. Donc ni pour moi na kota ali français, démocratie ali assassiner. Mais pourquoi to personne n'attend na mutuel en balu oba. Ni les autres tambour na Congo on to pesa et logo celle qui va boire démocratie. Donc démocratie na Congo va bomi en c'est assassiner. Merci. Madame. Si je pourrais ajouter quelque chose sur la démocratie, il y a de quoi dans mon pays le Congo. Parce que c'est par rapport, ça ne marche pas. Tout est nuisible là-bas. Il y a des malades, il y a des choses qui sont inacceptables. Carrément, je dirais que c'est par rapport au gouvernement si ça ne marche pas. Parce que si je vois bien, si on parle de la démocratie, un peuple qui le veut bien être ou avoir la démocratie, tout d'abord, il y a la liberté et il y a la bonne marche du pays qui compte aussi, et que les gens sont libres par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à la façon qu'ils vivent. Mais actuellement au Congo, si je dis, il n'y a pas la démocratie, c'est du mal à boire, c'est qu'il n'y a rien qui marche là-bas. C'est ce que j'allais ajouter. Ce sont des cas à revoir, donc c'est triste pour mon pays, le Congo. Voilà, peut-on parler d'une république démocratique au Congo-Kinshasa? Vous suivez là les interventions des uns et des unes et des autres. Moutnam Tazo s'exprimait, Moutnam Tazo paie sa point de vue. Est-ce que na Congo-Kinshasa, Togo-Bengango, république démocratique?
Voilà, les gens s'expriment. Donc, on a invité ceux qui nous sont allés, l'eau à Sikaïroba qui ça. L'émission, elle est bilingue, donc on aura aussi à faire recours en français. Et puis, il y a Alingala, l'initiateur, il y a mouvement où babengi munene lingala foni adapi pembe nangawana donc ya zo défendre l'intérêt ya munorona ye ya munorona biso lingala tozana ye wana donc mutu mso azana élément ya ko bakisa ce élément supplémentaire ezali par rapport ya oba ne oba lobi obakisi soko ezate to role kana mutu na mususu oui bon là pour la démocratie na loba lingala ouais premier atisa munorona biso na mona kin quoi bon pour na ngai selon idée nanga démocratie n'a pas été. Mais, Bamindé va reconnaître que la démocratie est allée. Parce que non, on a un problème, il y a président de la démocrate, voire même son démocratie est allée. Selon Bango, il y a déjà un peu de donc, il y a un peu de pouvoir, ça veut dire qu'il faut prouver que la démocratie est allée dans le Congo. Donc, le premier président, François Hollande, a reconnaître que la démocratie n'a pas été atteinte. Mais le reste, le président, les Nations Unies, les organisations internationales, nous ne sommes pas reconnaître jamais que Kabila viole le droit de l'homme ou Abou Marabato. Donc, pour merci. Moi, je trouve que, la démocratie, mais nous avons dit que nous avons dit que Abou Marabato. Voilà. Je trouve que... Merci Goliath. Merci commandant. Commandant Goliath, na réaction na yo. Troya côté wana ba mindele bazo tinda. Benga ngai na bande koto serné na mikambona. Est-ce que trop benga mboka wana République démocratique boyo ki ba réaction na wango na habité ceux qui zong avant la réaction mon rôle supplémentaire par rapport au bande ko balobi. Ce élément plus ya sikezali. Bon, loko manga na kobakisa. Bon, ma exacte. On a une monique démocratie et ça l'a raté parce que quelque chose existe quand on le voit et on sous-entend parler de cela. D'accord. Voilà. Voilà. Donc chez nous, il n'y a pas de démocratie. Voilà, à l'unanimité, mesdames, messieurs, monsieur Blaise. Ouais, ça va. On a encore le côté de la bise. Mais pas, mais il y a une bonne démocratie dans le côté de la bise au Congo. Et que ça va être salité. Tout d'abord, tu as dit que tu as une occupation étrangère, tu as dit na Katia Mboka. Et donc, il y a un balai, où il y a un signe de démocratie, et ça a été pris que dans le talipé ou dans le talarapé internet, ma camion sur le webin, tu as dit que tu as opposition jamais à l'écaranaba télé ou à l'national ou à Katiamboka Nabiso. Donc parlons-nous de la liberté d'expression. Exalité. Exalité. Donc nous avons la même idée qu'en débandégonion sur le lobby. Ah, que non, on a Congo, on ne peut pas parler, d'une république démocratique. Blaise B. par Oada juste à côté Nayo a expliqué dans ce sens-là. Mais ce qu'on est surtout à l'unanimité, Awa, nous tous les lobby, on a dit non, on ne peut pas parler d'une république démocratique au Congo-Kinshasa. Alors, Togoro Ben, si vous avez une idée, est-ce que Mboka Oyo ndenge bo développer wana, ce n'est pas un pays démocratique. Tokoro benga mon ndenge ni ba benga la République démocratique du Congo. Pour Nabino, pour vous les uns les autres. Je voudrais dire quelque chose. Vas-y, Manu. Mamisa. En fait, bon, Mangala, je commencerai par dire que gloire au Seigneur, parce que notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Le nom en soi, c'est un nom glorieux, c'est un nom qui honore le peuple du pays, qui honore le peuple qui habite le pays. Donc, le pays, c'est un pays, le nom, c'est la République démocratique du Congo. C'est un nom honorable, c'est un nom mais le problème en est que la gouvernance. Mais la gouvernance, bato o baza ko gouverner, ba yebi ko respecter la liberté d'expression, ba makambunyo so autorité ko énuméré awa. Ce qui va respecter ango, c'est alors que ce nom vraiment sera bien approprié. Mais nous avons un bon nom qui est notre, le nom de notre pays, qui est la République démocratique. Le débat est ouvert, hein, là, la réaction des uns et des autres. Hein, donc, vous réagissez pour Naïe, à l'Obi. En tout cas, Azane est d'accord, elle est d'accord pour la République démocratique du Congo, ce nom. Blaise, vous avez une réaction? Moi, j'allais dire, vous savez, dans le langage ordinaire,
on dit qu'il y a, quand on parle de nomination, il y a des noms qui sont des noms programmes. Hein, par exemple, chez nous, dans, moi je suis d'un certain coin du pays, où vous trouvez des noms qui renvoient à, soit à une histoire de la famille, ou à un souhait de la famille. Ça s'appelle des noms programmes. Les Africains, en fait, voilà, nous, tous les noms ont une signification. Oui, donc quand on dit République démocratique du Congo, on sous-attend que... Et dans le cadre du choix des noms du pays, il y a aussi des réalités historiques qui interviennent. Il faut se dire à un moment donné pourquoi on a parlé de la République démocratique du Congo. Il fallait voir ce qu'il y a eu dans le temps par rapport à l'histoire de ce pays. Il y a eu la traite, il y a eu l'esclavagisme, avec tous les dégâts que cela a commis. Notre pays, le Congo, a été un cas unique dans l'histoire où on était propriété d'un individu. Donc, de Léopold, avant qu'on devienne l'État indépendant du Congo. Et peut-être c'était dans le cadre d'effacer et tous ces drames subis par ce peuple, on est à la République démocratique du Congo. Donc je peux dire, dans les cas de pays, une nomination peut être idéologique, il peut être idéal, mais peut présenter aussi un plan, j'allais dire un projet de société. Si le souhait était que cette République devienne vraiment démocratique, c'est-à-dire que l'adjectif placé là-bas comme vraiment épithète à côté de République, c'est pas pour rien parce qu'on n'a pas mis un verbe à côté, il n'y a pas de virgule. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un idéal que nous allons poursuivre, dans la pratique bien sûr. Non, on ne peut pas dire que parce que l'idéal, les normes démocratiques ne sont pas respectées, qu'il faudrait effacer cet adjectif. C'est-à-dire, c'est à nous la population, c'est au gouvernement, et c'est ce que nous voulons, c'est pour ça que nous nous battons. On veut vraiment que cet État soit démocratique. Donc on a à travers cet adjectif tout un projet de société, on veut devenir un État démocratique. Donc dans la pratique, il faudrait que nous nous conformions, il faut que nous nous montrons compétents pour arriver à atteindre cet objectif. Donc, sur ce plan, il y a un grand travail à faire, d'où l'existence des partis politiques et même la réalité qu'on appelle aujourd'hui des résistants, des combattants. On est là pour se battre, pour qu'il y ait vraiment l'avènement de la vraie démocratie dans notre pays. Donc, c'est tout un projet de société qu'il faudrait respecter. Donc, mais là encore, il faudrait qu'on réunisse certains critères. Voilà. D'accord. Et Eric ? Voilà. Donc, premièrement, avant de parler aussi de la démocratie, nous devons d'abord nous débarrasser de la personne qui est au sommet de l'État, qui n'est pas notre frère, qui vient d'un pays voisin à l'est du pays, que vous connaissez tous, celui qui vient de tricher aux élections présidentielles de 2011, que notre papa, cher papa Étienne Tshisekedi a gagné. On va revenir à ça. Moi, j'aimerais simplement d'abord qu'on puisse vraiment bien orienter le débat, c'est-à-dire, est-ce qu'en République, peut-on parler d'une République démocratique au Congo-Kinshasa? C'est ça, au fait. Là, pour se débarrasser de celui qui est à la tête de ce pays, on va en parler. Parce que le peuple congolais veut être un peuple souverain. D'accord, on est là pour ça, on va en parler. Ils sont interdits, ils sont privés, ils sont privés de leur liberté. Ne t'inquiète, on va en parler, on est là pour ça. Motuna lingala facile, nabata lingala facile, lingala foni. Olobini papa. Natonde boton ndeko nanga Stella, na motuna imbolotuni, soki toko kopinga kombwana, nanga si ndeko na biso misa, bantu ba obatu ba liboso nanga awa, malamu kombo ekotikala. Ezali na bokonzi na biso te. Topé na makasi na biso te ya kobongo la kombo ya mboka kaka bongo, mais soki tomi toloba ona français considération lolenge makambo etambo na mboka na kanisaki liboso na biango république dictatoriale. Mais nzoka nde lokola papa na Eric auti koloba dictatoriale, soki mwana mboka aza kosala lokola mboka aza na mboka aza kobuba batu aza konyokola batu, mais lokola ezali mopaya ezali na bita chino kombo toyoko be yango république d'occupation au Congo, RDC ROC ROC. Mais n'habitez comme une négoire, n'a considéré, n'a le lingué, n'a qu'essayé si on a ouana. Ils ont d'abord beaucoup cani, ma caméso sala, ma namboka na biso, ils ont coupé la tête à combo. Mais ils ont abîmé ce bande de coupé la boca de terre. Ah ouais, tout bon, on a comme un boca. N'est-ce pas de grand balobi, tu vas tirer une commune ou tu vas plutôt que de la bosindo d'ango. Car si le loin quand de la vie sur le calobi, le col à mouton à mon amour. Alors mon personne en boca est comme sous dictature, comme un occupation, coco. Voilà, donc on est allé Placide de Jésus, Morpadico, comme ça, on par rapport à la République démocratique au Congo-Kinshasa. Ce qui est allé, tu as dit que 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 tu as dit
parce que on est citoyen ou citoyen de ce pays, que notre mon beau, le cher pays, le Congo, que j'aime toujours et que ça ne me quittera jamais dans le mémoire. Donc ça restera toujours, quant à moi, la République démocratique du Congo, et c'est bel et bien comme ça. Malgré tout ce que ça s'est fait là-bas, parce que nous, on est né dans cette République, donc... quant à moi, ça ne va rien changer. Le nom n'a pas de problème, n'a pas d'influence, n'a pas d'impact sur... Non, non, il n'y a pas d'impact. Sur la communauté, en fait. Pas du tout. Non, quant à moi, pas du tout, parce que ça resterait comme ça. Ça, c'est d'après merci moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mademoiselle Pelasimba. Oui, Goliath. Nga la botte à la République démocratique du Congo, nga la botte à la Zaïre. Foto yeba, aussi, pourquoi, papa Mobutu, alors on comme on a la République démocratique du Congo, alors il y a raison, on a évité ce que nous avons à l'oba. Donc, j'espère de quoi. Donc, je trouve que Mobutu a raison au Longo, la République démocratique du Congo, tant qu'on aura pouvoir. Donc, moi, je trouve que tu ne confies jamais qu'on a un combo. Même si tu es un peu comme ça, tu es un peu comme ça, tu es un peu comme ça. Voilà, voilà la vie, monsieur Blaise, bon, 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 bon. Voilà, tu es un peu comme ça, tu es un peu comme ça, tu es un peu comme ça. La production congolaise, il est. Elle est inexistante. Alors, comment Banamboka, comment le peuple congolais va espérer? On a classé dans 155e pays sur 167. On a des statistiques, il y a espère, il y a économie, bah français, on va appeler ça qui, bah chiffre, on a chaque année, bah c'est là qu'il y a un. Et l'année passée, comment ils arrivent dans 155e place sur 167 pays? Il faut attendre quelque chose de ce pays-là. Il faut s'attendre à quelque chose de na moment oyo. Pouvoir et occupation, et ça, nous avons un peu de Congo, ils ont bel et bien produit richesse, donc quitte à tout dire que le banalinga là. Mais, ils ont profité de la peuple, ils ont profité de la pays voisin, de la pays occidentaux. Tant que nous sommes dans le Biso, nous avons 4 mboka, nous avons fait fond, il y a un village, nous sommes dans le Congo. Baza informé, baza sous-informé, voire même dans la capitale congolaise, baza informé. Pour baye ba, Congo, ils ont produit bel et bien, ba richesse, ba ressources minières et belles, ils ont bimali banda, na pillage. Donc, ils ont dit que c'est là, moment où je dis bien, je n'ai répété, avec les pouvoirs en place. Donc, ils ont espéré, ils ont dit parce que les multinationales, il y a des pays qui sont ba vautour, où ils ont fixé leurs regards sur la richesse du Congo. Et Zali Nano, avec le gouvernement et l'occupation, on ne peut rien attendre. Dans le moment où le peuple congolais a se retrouvé, parce qu'il y a des multinationales, il y a des lobbies, il y a des Américains, il y a des Occidentaux, il y a des Européens, il y a des Européens, il y a des Européens, branché sur Congo pour le vautour, il y a des gens qui ont été branchés, alors on ne peut rien donc attendre. Dans le moment où le gouvernement où il y a bisauté, il y a le pouvoir à tête du pays. Donc voilà. Merci pour la parole, Frangin. Vous avez au début parlé de la place que nous occupons sur le rang mondial par rapport aux statistiques des spécialistes français. Moi, je rentre à ce que j'ai, les statistiques de l'année passée, c'est-à-dire des experts de PNUD, plan des Nations Unies pour le développement. Qui nous plaçait aussi parmi les derniers pays. Mais il faut savoir, pour bien cerner la question, quels sont les critères de ce classement? Parce qu'il y a quand même des éléments, parce qu'on dit que les pays sont classés par rapport à ce qu'on appelle indice du développement humain. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on attend d'un pays dans ce cas? Scolarisation, durée de scolarisation attendue. C'est-à-dire qu'on a évalué notre façon de scolariser nos enfants. Les moyens mis en jeu, l'organisation, on a vu que tout ça est médiocre. Il y a un autre critère qui entre en ligne de compte. Il y a aussi l'inégalité de genre, c'est-à-dire le rapport homme-femme, les chances de travail, tout ça entre en ligne de compte. Il y a le niveau, le degré de pauvreté. Et là, je fais allusion à ce qu'on appelle la justice distributive. Et dans la question que vous avez soulevée, vous avez parlé de la production. Parce qu'il y a une différence à faire entre la production et la gestion de la production. Vous comprenez, on ne peut pas dire que le Congo ne produit rien. Si le Congo ne produisait rien, nous ne serions pas la proie de tous ces multinationales de la guerre. Donc on produit, mais on a un problème dans la gestion de notre production qui fait problème.
y a encore un autre critère qui est le revenu par habitant. Et puis, en dernier compte, il y a l'accès aux biens de première nécessité. Donc, pour qu'on nous place sur ce point-là, parmi les pays les derniers au monde, on voit ce qui est élémentaire dans la vie d'un homme dans la société moderne. C'est-à-dire l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, on trouve normal qu'il n'y ait pas d'électricité dans notre pays, qu'il y ait partout des groupes électrogènes. Alors, en fait, quand vous avez demandé, est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'un pays qui ne produit rien ? Nous avons un problème, nous avons des possibilités de production, mais nous, c'est mal géré parce que c'est voulu. Donc, il y a tous ces aspects quand on dit, on peut attendre quelque chose, mais si on a de la volonté, si on change notre mode de fonctionnement, bien sûr. C'est pourquoi nous nous révoltons contre cette façon de fonctionner. Ce n'est même pas encore des critères d'ordre d'origine, d'identité, mais le mode de fonctionnement du gouvernement, de la mauvaise gouvernance. Et dès que cela change, on peut attendre quelque chose du Congo. Oui. Jésus, vous réagissez par rapport à ça? Tondo Mingi, Nako Yanola, et Yengebani Namutuna Nayo, Otuna Yimutuna Penza Tuiba Soki, Tubu Kosela, Moi Loko Moko, Namoka Nabiso. Et quand on va boire, on va boire solo, tout ça pour. Bota, tout peut produire, tout peut pesa. Kasi, ba kengeli, yamboka, ou bien le contrôleur, bango, ou ta kengeli, bangote, qui contrôle les contrôleurs. Donc, kenaba, n'habite les news, tourne vers le secteur, nous sommes en boka, nabiso, nous sommes en misal, et nous sommes en boka, Congo, et nous sommes en boka, et batu, yamael bazali, na sera ben nabiso, mabongi, et belé, na mai, bisika, nous sommes. Nzoka, lokola, na lingina kile bina moto nuko tunate ya nini eta boate la mboka lokola moto ya mboka bo bomengo ya mboka to pe misala ya mboka ezo kende na ba poche ya bato na mabenga ya bato yango moni ki toza kosaye loko moko te ndeko pesa ki nda kisabi bato pe bazali moko ba resource moko pe ya mabongi ya mboka okoma lelo bitelo ezali na passe na tama ki mo quand j'ai beaucoup d'anga ils savent pas qui c'est qui monte oyo à quand j'ai mis dans mon boca balade ça qui me reçoit moi n'est telo attend n'est telo qui toque peut-être va pas y a mais au moins mon collant ouana tala qui na ma tête n'est telo mon papa n'a besoin mon collant y a besoin que la sika abana mitano besoin qui na quelle c'était mais l'école n'est telo bimba car abana mitano moni oh mon mot que salité justice salité na boca na biso. Tala papa c'était là, yo zali journaliste d'investigation. Kota na bozindo to pe na mwa boka na bata Lubumbashi, papa bisa yo na ndela kasumba lesana, ba trak ba bomengo na biso ezo takuna mikolo nyoso, biso za kuna katumba mwa ke moko. Asa za bomengo to bakisa. Biloko ni kota na litate, na pesa loko mususu. Mbongo o papa la pesa so ba ina report. Pa botongi, esika ba pepe kitaka. $50 total a depuis l'année 90. Donc, tant que pillage, le premier pillage, c'est le maquin à Congo. Congo a perdu vraiment confiance avec l'investisseur. Dans le sens où le Congo est comme qui déjà pays à haut risque. Il faut que le tchassu soumbon en jeté pour le Congo. Donc, comme si on visait d'investissement prestigieux. Où est-il le cola or, diamant, qui a joué le lot, à l'ONI le lot, l'obi a bouki a kimi. Pour être ceux qui a tiembo monaye na Congo, à la banga que l'obi a pouka peut-être qu'on soit moté. Donc, problème à mener na Congo, y a moana. Donc, ils ont un malade, ils ont sous perfusion. Donc, il faut pas diagnostiquer y a moana malamu, pas du misam. Alors diagnostic pour Nayo, les amis. Diagnostic pour la Congo, les amis, le domaine est belé. Tout est respecté. Donc au Congo, il n'y a rien qui n'est respecté. Voilà, Wane Dali, analyse. Il y a Ndego Nabiso, Ndenge Bolandi, Wana Daniel Zonz. Après cette analyse, hier. Quant à moi, je vois et je crois, ça ira parce que
C'est un grand pays, comme on dit le Congo. Ce n'est pas un petit pays qu'on le pense ou on le croit, mais c'est un grand pays qui est parlé de partout dans le monde. Et c'est un pays qui ne sera jamais aussi affaibli, aussi longtemps que nous, moi, peuple congolais, je m'y tiens à ce que mon pays puisse aller de l'avant. Quant à moi, j'ai cette foi que le pays du jour au lendemain, ça tiendra. Pour... Ça ne sera pas à sa fin. Voilà. Et que c'est mon pays, avec ce qu'on a appris. Par exemple, je peux parler un peu. Hein. On est en Europe, on apprend beaucoup de choses. Mmh. On apprend des choses sur le plan de la société, le plan des humains, sur beaucoup de plans. C'est nous aussi, le peuple congolais, qui nous sommes restés en Europe ici. On est installés ici, disons, il y a des autres qui sont restés 20 ans, 30 ans, des années. Il y a des années qui passent. Ce que nous apprenons aussi ici en Europe, pourquoi ne pas aller le faire dans notre pays, le Congo? Quant à moi, j'ai de l'espoir que le jour à venir, ce pays-là, le Congo, avec tout ce qu'on a appris ici, si un jour on pouvait encore s'y aller ou carrément retourner au pays, ça tiendra. Pourquoi le Congo doit aller se terminer comme ça? Pourquoi le Congo, quand on nous on voit voir carrément que ça va se terminer? Non, non. Moi, je compte que le jour à venir, mon pays, ça tiendra, il tiendra son coup, ça ira. Voilà, pour mademoiselle Pella Simba, c'est la foi au fait, hein, donc c'est la foi pour elle. Il a beaucoup plus de la foi, elle a beaucoup plus de la foi, elle croit que le Congo, elle estime que le Congo un jour ira mieux. Pour les autres, ils estiment que c'est la gestion au fait de cette production qui pose problème pour que ce pays, pour que les citoyens congolais se retrouvent dans son pays. Nous allons marquer une petite pause et puis... on se retrouve juste... Le 29 décembre de cette année, c'est-à-dire 2012, la sœur Mami Missa a organisé soirée caritative. Yango a benga bandeko nyonso oyo baza intéressé o bana souci ya bana oyo baza démuni o baza ba sans abri na République démocratique du Congo. Ye a lobi pona bango urgence ezali na Nord Kivu, donc yango a senga na bandeko nyonso boya ko participer na événement na soirée wana bo réfléchir en ensemble bon luka ba moyen comment il faut pona ko venir en aide na bana wana o baza demini baza sans abri mais aza déjà na terrain mo za déjà wana à 15 minutes ndenga lobi wana na capitale ya Kinshasa yango azo senga aza vraiment na besoin ya lisungi ezali ezaka ka financier lisungi ezaka matériel ndeko tout a koki ko sunga sœur Mami matériellement financièrement et puis moralement physiquement aza vraiment le ou la bienvenue pour na soirée wana le 29 décembre Awa na Rotterdam. Alors Placide de Jésus pas à côté wana na retourna et Placide de Jésus yo pembeni ya sœur Oza Boni. D'abord c'est ma sœur dans le Seigneur, elle est chrétienne, fervente chrétienne pratiquante tous en un milieu chrétien et dans milieu associatif. Bon biso ngalent mok pas diko et puis sur na RCK tous appelé ça maxo kunate. Mais bon de ce que linga mboka na biso au moins na mok pas diko to défendre intérêt congolais et les intérêts congolais c'est les personnes et leurs biens. Les personnes congolaises, les biens congolais. Le quoi en dehors sur les canisses, azako sungaba na kuna et contribution c'est à dire que tiens beaucoup na les canisses wana oyo ndeko na biso azui et puis aza sincère aza sérieuse. Ndenge papa sur orbaki tout sunga ndeko na moyenos. Bon obika mbongo tibi ming pe nzambe mbongo. Mais ata elamba opesi l'ensemble au PSI mais matériel et ça pour ça mingi penza donc le 29 na ba le quoi yali ngafoni mokole ya tukume na libwa na sanda djuma ni balé na mbula oyo nde biso nyoso to kutani na katwana ba de commission tu a blaze RCK ba ozala ba papa de tout ozalwana ko sungaye. En tout cas boya ebele cette affaire te concerne toi aussi. Voilà, cette affaire nous concerne tous. Tout dans la souci à moi, et puis aussi le sang n'est pas sans pour autant. Na remercier donc na l'Obama solo n'engezala. Rapport bango babiloué Komaka, agence fret maritime ya Mateus à Rotterdam vers l'Angola. Bango batinda babiloué na Angola. Bango biloué Komaka avec Mateus à Rotterdam. Tout au niveau tinda plan na en Angola. En tout cas agence à solo benay assure logo la agence ya Mateus na Rotterdam. Exact. Donc on go tinda biloué na Angola. Yaga kaka benga Mateus.
Mateus, au coma fret maritime, Bablo en Angola, mais bon, sanate, nega ser, mamia et sibino, en soirée caritative, et awa, boya et belé, nanenga moukete, bo soutenir, parce que besoin financier, matériel, et hyper important, pour ba souvenir, n'a pas besoin, y'a bana, on a bilingue, ou y'a basa démuni, basa sans abri, na République démocratique. Un débat sur la République démocratique du Congo, pourquoi les choses ne marchent pas dans ce pays, et qu'est-ce qu'il faut pour que les choses aillent mieux en République démocratique du Congo. Avec moi, il y a Eric Salongo, il y a Blaise, les deux Blaise, hein, RCK, il y a un membre RCK, Blaise Ndongani et Blaise Mwanza, Eric Salongo, Placide de Jésus, Mokpadiko, et puis Lingala Foni, Mademoiselle Pela Simba, et puis Madame Mami Misa Yazali, présidente, il y a organisation non gouvernementale, où il s'occupera Nabana, la République démocratique du Congo, tout vous voyez plus tard, sur organisation Naïe, Misa, et puis les commandants Goliath. Voilà tout l'actualité, mesdames, messieurs, et que le sommet de la francophonie, et Salamaki du 12 au 14 en République démocratique du Congo, à Kinshasa exactement. Et François Hollande à Kitagikuna avec les autres chefs de l'État, vous avez suivi. Moi, je m'irai voir les avis des uns et des autres issus sur ce plateau. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Et je commence par Blaise. Au Monaco, on est au sommet en francophonie. Au Monaco, la réaction, il y a le président Oyo Batalaïkuna, entre autres, François Hollande. Blaise Mwanza. Ok, ça va. Sommet en francophonie, dernier vous avez passé. En tout cas, Bisson Soleil, inquiétude pour notre monde qui est président français à Kita sur. Akita na Congo, tout le monde a qui ont vraiment la grille bosso, ma bé. Mais au Kenya, il peut être que c'est là, na acte à celle na Katia Mboka. Na Mboka ya Congo, tout le monde a qui ont pensé que non. Azali vraiment côté na bisso, d'une autre manière, tout se peut na acte na épée à se poser. Et tant qu'il y a président, donc démocrate, il n'y a pas pensé que on a suspect un peuple congolais. Mais tu évites de me soutenir que vous regardez, coucou Katia na Bango. Ma be moko ya likambo oyo ezali kosala biso oyo ndenge tozali kokangama na yango mingi na kati na mitema oyo falaki ndenge selon ndenge na sesimaki ke aloba mpenza une parole ke voilà le président ou mpenza ali eli alaki eli na mboko ya mboko ya biso ya Congo elaki monsieur Tshisekedi mais alobi yango te puisque wana kotaki politique. Ngai, selon Ngai, Namoni, en tout cas, à Salipé, le bout et le bas qui paye la qui bien, à la qui se m'a camion soupé, la qui vraiment, à na moi 70%. Voilà. Monsieur Mwanza, Blaise Mwanza, pour Naye, à Pessi François Hollande, 70%. Et Salongo, yo pour Nayo. Pour Nangai, je dirais que voyage à monsieur François Hollande, en tout cas, c'est que je peux dire. Donc, ils ont engagé que moi. Son voyage pour le Congo, normalement, bon, pour Nanga, ça n'a pas d'importance. Et donc, ça n'avait pas d'importance d'avoir lieu parce que échanger et l'eau pour côté, la vie à peuple congolais. Une semaine après, voyage à M. Hollande. Et à ma connaissance, je sais que sur le plan, il y a intérêt, il y a occidentaux, politique extérieure, il y aura presque un dingue Mogo. Parce que bah tout sous bah démocrate bah ça bon bah républicain bah ça bouillé tout le monde na Congo mutu alongola président Mobutu na pouvoir et Bill Clinton hein mais azalaga mutu à gauche hein azaki démocrate. Alors ceux qui monsieur Hollande a kenda na Congo pour na intérêt à ba français pour na remonter l'économie na bango ya ba pays occidentaux ndenge eza na kokoso. Alors wana ezali entre ngai na bino to se poser ba question pour ma cambo, oh, je sais que moi, personnellement, on a dit que monsieur Hollande, Faki Aloba, n'a pas eu de temps. Il y a des gens qui ont dit voilà, bien sûr, il faut démocratie, oui. Et ça, bien. Mais il faut qu'il y ait le droit au but. C'est-à-dire, Aloba, que non, vérité, il y a des urnes. Oh, il y a des gens qui ont 2011, il y a des gens qui ont et ça, inacceptable. Mais et après, tout le monde a dit qu'il y a des gens qui ont dit que n'est-ce pas? Parce que guerre, il y a une Côte d'Ivoire, il y a une Côte exactement. Mais c'est aux Occidentaux, aux décisions, Balongola Joseph, il n'a pas gagné, il faut pas le Bango. Parce que Sarkozy, même si Sarkozy, ancien président français, a osé. Donc, pour nous, c'est l'Occidentaux, il y a Balongola, Kabila,
Naza Kozela, pas seulement les Occidentaux, mais les Occidentaux, il ne faut pas travailler dans la parce que ce sont eux, les membres permanents, il y a le Conseil de sécurité, monsieur. Donc, pour nous, les Occidentaux vont travailler en collaboration avec les Congolais. Peuple Congolais, Balongola, dictateur, Balongola, génocideur, Balongola, voilà. Picolé par force. Donc, parce qu'il n'a pas respecté le droit à dire, il tue. La déclaration de François Hollande, Nyon Soponayo. Naza satisfaite. D'accord, merci. Naza satisfaite parce que le petit là reste toujours au pouvoir. Barozelaïti en 2016. Ce qui Barozelaïti 2016 pour Nangamar Luba, François Hollande, et ils ont l'importance. Et puis ça n'a rien changé dans la situation. Il y a des Congolais dans 4 Congo. Et changer le mot parce que le peuple est toujours sous oppression. Il y a ligne, il y a pouvoir, il y a occupation. Bachar des combats partout dans les coins des rues. Alors, peuple, Aza triste, peuple, Aza. Mais Eric Salon, quelque part, tout le monde est en train de se faire. Moi, vérité, la pensée positive. C'est le seul chef de l'État africain au monde, Lelo, à l'objet tout haut, que les choses qui se passent dans ce pays. Le dossier africain, hein, dans moment où c'est M. Hollande qui contrôle la politique d'Afrique. Dans moment où tout le monde a coupé sa ultimatum, le président Moussoussou va respecter la démocratie, il va quitter le Bagbo, tout ça. J'aimerais que et ça les manamboka nangai parce que France a la porte-parole na biso na niveau ya conseil de sécurité pour Aza na pouvoir on a comme mobiliser ba grande puissance ni on se ko ba les membres les lo France a pour na kaya Mali au lieu ça la paix pareil et ça la pareil na Congo Joseph na lingite que tous en 2014 était parce que voilà. Merci pour l'intervention. Merci pour l'intervention na yo Blaise RCK. Je crois que il y a une différence entre notre souhait, à nous, les résistants combattants de la diaspora, nous aurions voulu que le président de la France, François Hollande, ne se rende pas à ce sommet. Ça, c'était un premier souhait. Il y avait un deuxième souhait. Nous crions tout haut s'il y avait possibilité de délocaliser ce sommet dans un autre pays. Ça, c'est par rapport au propre dire de François Hollande, à ses propres promesses pendant la campagne électorale. On aura compris que non seulement notre message est passé, mais qu'eux aussi, ils ont pris de disposition vraiment pour respecter les paroles données. Parce que, vous savez, il a parlé des respects de normes démocratiques, des présidents africains qui sont des dictateurs avec lesquels ils ne traiteraient pas. C'est pour cette raison que nous avons marché et que nous étions dans la rue. Mais même quand on était dans la rue, je crois qu'une fois, avec beaucoup d'amis, je crois Placide, lors de la dernière marche en Belgique, nous avions dit, on sait qu'il est le président de la France. Quand il prête serment, c'est pour défendre les valeurs de la République française. Et entre autres valeurs, il y a la langue française. Parce qu'il faut quand même se dire clairement, c'est quoi la francophonie? C'est une activité culturelle. Parce qu'on dit que la langue, c'est le véhicule culturel. Donc il est allé pour défendre la valeur de la France. Il était quelque part écartelé. Ce qu'il a fait, pour nous, c'est quand même un geste qu'il a commencé, mais qu'il n'a pas encore créé un vrai incident diplomatique. Parce qu'on sait le dire dans le langage ordinaire, parlons peu, parlons bien, c'est la fin qui couronne l'œuvre. S'il s'est engagé sur ce terrain, maintenant il faut qu'on voit par la suite comment il va gérer cette situation. Je dirais même dans les deux camps. Moi, je reste dans ma prudence. Pourquoi? On a connu aussi des incidents de ce genre avec l'ex-ministre des Affaires étrangères belge, M. Karel De Ruyt. On a senti au moment donné que c'était chaud avec Hippolyte Canal, mais on se disait, c'est fini, la Belgique va prendre position. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Guy Verhofstadt. Mais c'était pas pareil par rapport à François Hollande. Mais mon cher ami, je dis ceci, c'est bien ce qui s'est passé. Au moins, pour nous, chaque acte posé par un président étranger, un ministre, un pays, chaque rapport donné, ça prouve que notre message, quelque part, parvient aux oreilles de ceux que l'on veut. Donc, quelque part, nous ne déployons pas pour rien. Mais moi, je voulais dire ceci. Vous savez, le 19, aujourd'hui, c'est le 20, il y a deux jours passés, les experts de l'ONU ont réitéré le rapport, pointant du doigt le Rwanda et l'Ouganda sur la complicité et l'appui stratégique, l'appui militaire par rapport aux rebelles de M23. Ouais. Mais on attend maintenant la gestion de ce dossier au Conseil de sécurité de l'ONU. On attend comment la France va récupérer le dossier. Ça, c'est un premier aspect. Et puis, il y a un autre aspect aussi. Il y a une résolution pendant ce sommet de francophonie sur l'agression à l'est du Congo. Vous savez, dans cette résolution, déjà, on cite timidement le Rwanda. Même quand il parle de situation inadmissible, inacceptable à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, Hollande n'indiquait pas de manière crue le Rwanda et l'Ouganda comme des pays agresseurs. Parce que le problème, c'est quoi? Vous savez, à un moment donné, l'opinion tant nationale qu'internationale est tombée dans une confusion du gouvernement congolais, bien entretenu par M. Mende. Vous savez, même quand on dit qu'on prenne position, qu'on condamne l'agression au Congo,
Vous savez, quand vous amenez un rapport dans des instances sérieuses... Marmende Mende l'a très bien dit. Il a très bien dit que nous sommes agressés par les Rwandais. Il a si bien dit, mais non. Mais vous savez, s'il faut considérer un rapport, hein, on considère aussi, on fait aussi un aperçu historique d'évolution de la situation. Est-ce qu'il y a une similitude sémantique dans le concept utilisé par M. Mende? Vous savez, il y a un moment donné, on a parlé de la mutinerie, quand Koundé-Bator avait commencé. Après, on parle de la rébellion, et en fait, quand on parle de l'agression... Et quand vous mettez tout ça dans un rapport, mon cher ami, on est quand même des intellos. Est-ce que ces trois concepts veulent dire la même chose? C'est quoi une mutinerie? C'est quoi une rébellion? C'est quoi une agression? Mais qu'est-ce qu'on va condamner? On va maintenant prendre en considération quoi? Aujourd'hui, il parle de l'agression. Mais vous avez oublié, il y a deux, trois ans, même M. Mende était passé à la télé pour dire que les troupes rwandaises que Hippolyte Kanamba avait fait venir, quand il y avait ces soi-disant tensions avec Hippolyte Kanamba, ils venaient en amis. Et c'est pour la première fois que les deux États se sont consultés et c'est pour faire une patrouille mixte. Et du coup, on passe d'amis en ennemis. Mm-hmm. Quand les termes changent, on veut voir la réalité. C'est comme ça, moi je dis, la vraie réalité, ça sera dans la suite de la gestion de ce dossier, que ce soit par la France ou par Hippolyte Kanamba. Si après ils se disent, ils se réconcilient, on a entendu des mélodies avec Paul Kagame aussi. Après, il y a eu une normalisation des relations diplomatiques entre la France et la RDC. Ça va nous décourager. Donc, on veut voir la suite. On reste, en tout cas, moi, sur cette question, je porte encore mes gants. Mais... Oui, déclaration est dans ma bêtise. Tout le monde qui m'a comme un ping, parce que là, tout le monde qui human rights, à ce moment-là, il y a le droit de l'homme et alité François Hollande. À l'objet, il y a assez près, le ministre des Affaires étrangères, il y a Belgique, à l'Obaka, mais il y a l'ingi, c'est mon malo, il y a la mise à l'action. Il y a ceux qui sont en train de la démocratie. L'action, il y a la mise à l'action. D'abord, non côté sur ma paillette, mais n'a pas ceux qui a solo, ma monique, ma camorce, la zémabé, ma longue langue, des ballons qui s'adam, des ballons de Syrie, des ballons qui Kadhafi, le roi Bihamo Boumi, Rosalango, mais habité qui n'a pas monté dans Salango. Mais ceux qui a solo, ma monique, mouton à Zali Mabé, à Zali danger pour la démocratie dans Moka, Barogo Salango. Il y en a bien des bâtons au Kébi, quand même de consol de Arbaki, n'a au na pesin bukonjamboka ya français aza présent en français aza ko bundela ba intérêt depuis mon point de cause à défendre les intérêts du Congo et ça malam ndenge de arobaki kasi nazaka na mambo ke binelobi matondo arobi malam mais ce que on a té koloba motonyo sur lobaka asa mu ave mota ko sauté pe mota sougaté mais to ce qui a to ko loba mingi to ko sa mingi mais kaka ki politique na mbé aza na Congo tout ça et leur moroté parce que Azali n'a les canicia malamouté dans un projet société malamouté nous avons né au Yafandi à l'ouganengenini avec qu'on maintenir que la population n'a souffrance n'a occupation à l'ouganengen mabé là qui na Libye la grosse langue n'est pas celle na Babou n'est pas Kangi Bemba bon dites les enfants pas dans l'icône na mamie. Oui, merci. En fait, toujours sur la toujours le bilamambo ya francophonie et moi, j'aimerais dire ceci, que la francophonie en soi, c'est une bonne chose. Oyo, le Kinakati, Yambo, Kanabiso, la République démocratique du Congo, parce que ça pourrait, et Koka qui peut coller Kanapéi, Moussous, Oyo, Afrique, mais Estalami, Keno, et le Kanambo, Kanabiso. Donc, la francophonie en soi, et Lokomoko, et Zali Kanisimoko, Yamalam, Oyo, le Kinambo, Kayakomo. Mais après, après, il faut savoir, gestes ou automonie, ce sont des interprétations, il y a des journalistes, il y a des bateaux, il y a des gens par le geste. Donc, je pense que non, je pense que non, je pense aussi que non, c'est une façon.
pas direct, mais en... Indirect. Indirect ou lentement, il y a nengeni ni akoluka, kotia moi qui m'y en a congo. Peut-être bah ni quoi attaquer directement, mais c'est un peu doucement pour bah mega ko solo la naie. Pour dans mon pays, carrément avec tout ce qui se passe, avec le mot actuel dans ce pays où il y a tout est au noir, disons, tout, ça ne marche pas. Il devait avoir la conscience en lui de se dire que c'est un grand monsieur. Un grand monsieur du plan, autrement dit, politiquement, dans beaucoup de choses, il devait savoir y rester en France. Penser plus d'y rester, de ne pas y aller là-bas, parce qu'avec le mot qui court au Congo, c'est vraiment inadmissible. Un tel monsieur, il ne devait pas admettre de mettre ce pied dans mon pays, carrément. Mmh. Et ça interpelle, ce que je voulais dire, ça interpelle des gens par rapport à son comportement, de ce qu'il a fait, de ne pas reconnaître, de ne pas voir de près qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce pays. Ça, c'est vraiment inadmissible. Mais quant à moi, ça, je dis, moi, en soi, il ne devait pas s'y rendre. D'accord. Par rapport à ce qui se passe dans mon pays. D'accord, c'est bien ça. Compris. Ouais. Goliath. Bon, là, j'ai compris le départ, Naïe. Bon, je trouve que tout au lobby est à bon goût, mais Mundele n'a pas la confiance en été. Voilà. Donc, au moment où Hippolyte Kanam va dans la Jéming à Salaka, la Rope Sandakissa, à Balan de Konabiso Congolaise, mais Nasna Koukou, à la moins Sinaïa Toussi, à quoi est-ce que François Hollande, Fingangaï, nous avons la polémique, nous avons un musicien, autant à comboté quoi. Mais na votanga ya mutu moko neti king kester menea bolimbi sanga na votanga te kwata kolabo a ebisa musicien musubaka na victoire na ni bipoli ke no finga ngai po mata ngenge na banso bo visionner bo mona ngo donc pourquoi pas Hippolyte Kanambe a ebisi François Hollande ke no saboter ngai po batu ba ku miso kuna na porte po ba combattre eza stratégie politique mes frères makambo ya mingi na mukili. Mundele to vaina ba mambula mingi ya wasa ba diko. C'est l'union soyena on va le kuta. Ba keinde po tombola. Oui, ba keinde po tombola pouvoir Hippolyte Kanambe. Pe boko mona rumi ya libéré na pouvoir. Voilà. Pour la osuki ça, biso ton dima ba kambwana te. Peut-être na boko ndime po na likamasa ki po na chebeya. Ndambu. Mais wana se ba jena bango parce que Hippolyte Kanambe est isarbagé belé. Donc tu penses que Hippolyte il est pé à Keti qu'il est bien appelé François Hollande que non yo salaba manigans on a tout et salama les collègues journalistes Ali Bongo oui après c'est vous ont confirmé vous ont affirmé n'importe quoi affirmé parce que Ali politique voilà oh les cas déjà oh tu es bien donc Et à point de vue naïe, je rappelle, les bandes de Bobozo l'andabiso bien, et à point de vue naïe, et à Makanisi naïe, et à Makanisi Amoutou Souté Meyaye Alobi, Basalimo Mascarade Nandengé Nabango, que François Hollande Ayabuna, Absala Netikaka ko boudeye, Netikaka ko reconnaître yete, Netikaka ko respecte yete, mais de l'autre côté, Nakouzou, Nankoukou, bah eh ben makam na bango donc on est à point de vie naïe parce que quand on ouvre la liberté la pouvoir arrive pas ouvre la pouvoir donc il y a ton bélier sous micro le bélier la non on a ton bélier été blaise mon frère qu'est-ce que tu sauf qui toi sauf qui pardon makam j'ai oyo sali wana sauf de kébité j'ai oyo François Hollande sali a quitté ça Hippolyte Kanambe et qu'on permette de dire comment ça pour François Hollande mutumalam oh puisque vous voyez qui francophonie comment les autres comme apouyer kazali mutumalam moi sali malam boy. Et ça va gêner avant. On a vu on a vu politique. Et ça va gêner avant. Bah ça dit. Voilà. Après que là où mis ça, montoir les sous sur toujours le cahier. Voilà les analyses Nayo. Merci beaucoup pour l'intervention Nayo Blaise. Bon, à fondé moi quelqu'un dans la Baxamé. Je veux quand même le dire en d'autres termes. Vous avez suivi le résumé de TV5 hein, par rapport au geste de François Hollande. TV5 a passé une émission au résumé quand il se lève. Ils disent, bon, par ce geste, ils ont justifié par la suite. Donc, le déplacement de François Hollande, c'était par rapport à ses fonctions politiques. Parce que Hollande est une valeur de la France. Ça, c'est pas moi qui ai dit. Voilà. C'est une émission sur TV5. Mais, en fait, moi, j'ai fait mon analyse personnelle. Comme je dis, dans la logique d'un de mes aînés, qui aime dire, parlons peu, parlons bien. Dans une des radios, je l'aime bien pour ses analyses.
je ne te reconnais pas. Je ne te respecte pas. Mm-hmm. Vous comprenez? Mm-hmm. Mais tu m'invites chez toi, je viens quand même. Mm-hmm. Mm-hmm. C'était ça, mm-hmm. en fait. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais, du coup, moi-même, j'ai répondu à ma question, parce que c'était une question oratoire, comme on dit en latin, en littéraire. Une question oratoire, ça veut dire une question qui comporte en son sein sa propre réponse. En fait, il devait partir parce qu'il est président de la France. Vous comprenez? On est en train de une obligation, parce qu'on est en train de défendre une langue que nous avons héritée de la colonisation. Donc cette langue-là pour nous porte un peu les marques et de l'impérialisme et du néocolonialisme. À travers cette langue comme véhicule culturel, nous sommes aussi contrôlés. Parce que notre administration, notre scolarisation, tout est dans la langue française. Et pour eux, c'est un honneur. Comment voulez-vous que le président de la France puisse bafouer les honneurs et les valeurs de la France? Donc, par rapport à ces obligations, c'était très compliqué qu'ils ne s'y rendent pas. C'est comme ça que j'avais dit. Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle la démagogie, et des discours qu'on peut prononcer pour plaire. Mais il y a aussi de la communication. Vous savez, à un moment donné, la communication, c'est quoi? Vous avez vu, du coup, au dernier moment, avant la francophonie, le gouvernement congolais, à travers le perroquet, ont commencé à parler de l'agression. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette communication-là? Au nom de la performativité du discours, en fait, vous qui vous levez, vous qui marchez, les résistants, les combattants, Bolobani, vous agressez. Mm-hmm. Donc, ils mettent dans leur bouche ce que vous aimez entendre. Yeah. Et en fin de compte, il faut que vous vous dites, oh, soit Baro, comment Loba, ce que nous disons, est-ce que nos vues se sont réconciliées dans ton Bounda Soukwani? Mais de la vie, en fin de compte. Non, maintenant, on parle d'agression. Qu'est-ce que là encore reprocher? Donc, nous restons sur nos gardes, comme on a dit. Mais il faut aussi considérer tous ces gestes et l'interprétation, parce qu'on sait que dans beaucoup de contextes politiques, on le voit aussi dans les conflits, oui, il y a des importances mineures. L'interprétation est individuelle, l'interprétation, oui. Mais les faits sont là. Donc on a un bon moment de cette interprétation, tout comme c'est Pénango, on est le commandant chef d'état-major de l'État de l'Oba. Pour les engagés, ceux qui n'ont pas eu l'entourage, moi, je suis là avec les Kalambe, et cause de la Bajio, c'est là. Na François Hollande a pris cet exemple. La façon dont dis-moi ce que tu entres, je dirais qui tu es. Autant moi, je suis aux allées. Au moins, l'entourage, il y a une stratégie musicale. Il s'agit de politique. Il y a un peu de choses. Il y a un peu de choses. Il y a un peu de choses. Francis Kalombo, papa, Kofi Awerera. Il y a une stratégie politique, il y a une stratégie musicale. Parce que les musiciens sont surtout au Congo. Ça n'est pas yo finit on doit aller ben enfin traiter c'était là c'est positif ajouter comme source non penser le bundo de penser d'ailleurs pour aller au checker bon bah c'est bah bien mais vous avez entouré avec excellent professeur c'est ça professeur va flatteur bah ça on s'en va monter ces gens là non domaine après ces gens là Jean-Marie Kasamba va monter ça va tout sur beaucoup qu'on a à démocratie dès la salle de famille. Les non-dieux discours, ils sont à calme. Quand on dit ça, ils sont à Nabino. Ils ont aidé à l'intimidation. Ils sont à la calme. Quand on a un débat, les journalistes, ils ont été en train de faire ça. Ils sont à Nabino en direct. Quand ils ont connu Nabino en direct, ils ont compris qu'ils ont été comme on a été. À compléter de surtout. Parce que, pas à Bango. Attendez, il y a un débat qui est à Kingabou. Sauf au toucher de Kalambété, à ta ou à l'Europe Premier ministre, il y a la fois qui s'est là. Moi, je suis là. Mouzidou. Et là, pour MD. Moi, je suis là. On est catholique, l'infalité du pape. Ce qu'on a prouvé, perdre l'infalité de Kalambé. C'est le Saint-Père de Colabo. Il y a aussi un baïté, beaucoup de baïté. Ce qu'on a signé aux Amakambo. Mais le cas de Nébé, qui avec François Hollande, qui n'est pas maté à Zaza. Je suis allé à la guitare. C'est mon qui l'a besoin de ça là. Donc, tant de nos lobas, nous avons continué à l'ingala, anglais pour interpréter, français pour mon qui l'a besoin de ça là,
Merci beaucoup, Placide de Jésus. Voilà, mesdames et messieurs, nous tendons lentement et sûrement vers la fin de cette émission, du moins sa première partie. La deuxième partie, ce sera à Bruxelles le samedi prochain et il y aura d'autres invités, entre autres, diplôme Mundene, M. Alongo, je te salue en passant, docteur Alongo. Je te salue en passant, vous en avez besoin le samedi prochain pour te débattre car sur le Congo, la République démocratique du Congo. Oui, je suis la Mingi, je suis la Stella, je suis la Singaï, je suis la Déconio, et c'est la première et dernière fois que tu es tout en train. Je suis le peuple congolais, tout le monde a été au Congo, tout le libéré a été au même tout le monde a même tout le monde sommet, tout penser là. Donc, quand il y a plus de 12 millions de personnes, donc il faut affouter ma soumounaï. Donc, il faut tout le monde ensemble, tout le monde. Donc, remercier la déconnexion en Belgique pour avoir fort au sala, pour craquer ma collabo. Vraiment, félicitations à la déconnexion, maître Donat. Bon, un exemple à Belgique. Bon, tu as un Belgique, tu as un combattant. Donc, tu as un combattant. 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 Commandant Goliath, merci beaucoup en tout cas l'intervention. Peut-on parler d'une république démocratique au Congo Kinshasa? Est-ce que les choses marchent en République démocratique du Congo? Est-ce que les citoyens congolais se retrouvent dans son pays, mesdames et messieurs? Voilà de quoi il a été question dans cette émission, dans cette réflexion, dans ce débat avec mes frères ici présents. Je vous dis merci à vous tous qui avez pris un peu de votre temps pour nous suivre et j'invite les amis de la Belgique, plus précisément de Bruxelles, entre autres, à Longo, Togoya, Côté Ouana, Poto, Betalissoussou, une deuxième émission pour réfléchir ensemble sur le Congo, parce que Zayayo, Zayanga, Zayabissonioso, les choses doivent changer dans ces pays. Nous avons besoin de notre pays, ce pays a besoin de nous. Ne me demandez pas, ou encore, ne demandez pas au Congo, mais plutôt, ce que toi tu peux faire pour le Congo. C'est hyper important. Nabino Nyonso, aujourd'hui, t'as un retard à la puceau. Tout est Nabino prochainement, toujours capable pour vous servir. Je n'ai pas un autre objectif. Toujours vous servir, vous informer. Tout ce qui touche le Congo ou les Congolais, des près ou des loin. En tout cas, moi, j'en parle sur les nets. Merci, au revoir. Hey, j'allais oublier la caméra. La caméra est Simami Namabo, il y a Carlos Kalouza. Et merci à vous tous, mesdames et messieurs, vous qui pour participer à l'émission Oyo prochainement sur congonumber1.com. Allez, bye bye. En attendant, prenez bien soin de vous. Hein. Bye bye. Pensée positive. Pensée positive. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa, Somotro, Trosomo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa, Somotro, Trosomo. Pensez positif, 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 pensez positif,